Agadiro Gan, Satatano Shaktan, Sheshakaya, Prasrutana Sheshan, Autsukya Mohar, Atidanjakhana, Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de Vidavedanushamitas de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mathieu. Et aujourd'hui, c'est notre épisode 107 de Vidavedanushamitas. On va continuer notre lecture de l'Ashtangridayam Sutrasthana, chapitre 3, le chapitre sur Rutacharya. Et donc, on est dans ce scénario nouveau que je suis en train de tester. J'ai laissé-moi faire ici quelques ajustements de l'écran. Donc j'attends de vos retours, si vous me dites que ça marche, que ça marche pas. Je pense que c'est un modèle où j'arrive à faire beaucoup de choses avec beaucoup d'encadrement, avec ce mélange. Ici, il fait déjà un peu nuit. Donc ici, j'arrive à aller plus bas, revenir en arrière. Donc j'arrive à faire beaucoup plus de choses qu'avec ce qu'on faisait avant. Donc, merveilleux. Aujourd'hui, on va continuer notre lecture. On arrive à la fin. On est en train de finir le chapitre 3. Le chapitre 3, 58 shloka. Et aujourd'hui, on va voir le 51 et 52. Et donc, voici ce qu'il dit. Samanta dapya horatram magastyo daya nirvisham shuchi hamsodakam nama nirmalam malajichvalaha malajijalaha nabhishandina varuksham pana ishva mrutopamam. Donc tap tam tam tam. Il continue à parler de la saison de l'automne, donc à dire les précautions et les disciplines qu'on doit avoir pendant le Sharadru, l'automne. Donc c'est très intéressant de le faire maintenant. Je suis dans l'hémisphère nord et on est dans l'automne. Donc j'arrive à enregistrer cet épisode plus ou moins pendant que je suis en train de vivre cette saison, ce qui est assez intéressant. Donc là, on va parler spécifiquement d'une procédure qui est recommandée. J'essaie de faire quelque chose de nouveau, attention. J'essaie de comprendre ce software. Donc pour ceux d'entre vous qui sont déjà ici depuis au moins 2 ans, vous savez que maintenant je peux noter dans l'écran. Vous savez qu'on est en train de lire l'Ashtangridayam Sutrasthana, chapitre 3, 51 et 52, et ici la translittération pour notre alphabet, pour que vous puissiez vous guider si vous n'êtes pas expert dans le sanskrit encore. Donc, au-dessus, vous pouvez lire l'original en sanskrit et en dessous, la translittération. Donc, vous voyez ici ces signaux spéciaux, ces accents. On a déjà vu ça dans nos minutes de sanskrit. Si vous êtes un peu perdu, vous pouvez regarder les épisodes précédents. À partir du chapitre 2, toutes les fins de vidéo, on a une petite minute de sanskrit. Et donc dans cette minute de sanskrit, j'introduis pour vous la grammaire du sanskrit. Et on a commencé à s'alphabétiser en fait. Donc il va arriver un moment où on va analyser ça directement, sans la translittération. Et comme vous êtes très fort et que vous comprenez tout du sanskrit, et que vous savez tout de mémoire, on va réussir à bien le faire. On va approfondir un peu plus. Et comme c'est une lecture très intéressante et spécifique, elle parle spécifiquement de Jalam, de l'eau. Donc il a dit précédemment
pendant la saison pluvieuse, il a dit que pendant qu'il commence quand il commence à pleuvoir, cette pluie, elle laisse tout un petit peu humble, un petit peu pollué. L'eau des rivières sont polluées, l'eau en général est polluée, et les légumes, ils ont tous cette âme rase, toute cette saveur acide, ce qui n'est pas bon, parce qu'il y a déjà une tendance à aggraver le pitta dosha. Et donc, il commence déjà à être aggravé dans la saison pluvieuse. Et donc maintenant, avec cette danse classique du pitta, on va voir qu'est-ce qui se passe passer. En réalité, je pense qu'il a déjà dit ça dans le shloka précédent. Oui, il a déjà dit qu'avec le froid de l'environnement, il a déjà dit précédemment que, en fait, le pitta était déjà un peu aggravé, mais que comme la saison pluvieuse était froide, le pitta, il n'aggravait pas complètement. Mais maintenant, quand la chaleur, elle arrive, là, le pitta, il explose, il s'aggrave. Et donc là, dans les shlokas d'aujourd'hui, il va parler spécifiquement sur l'eau. Taptam, ici on peut accompagner, c'est la même chose qu'en haut. Taptam shu, il manque quelque chose ici, je vais le corriger. Le mot tapta, il répète tapta tapta. Et le mot amshu, kulana, tapta, signifie la chaleur, le fait d'être chaud. Donc la chaleur, amshu, c'est les rayons solaires. Kirana, c'est à nouveau des rayons solaires. Donc des rayons solaires chauds, qui sont chauds, qui réchauffent. Donc ce sont des rayons solaires chauds qui réchauffent. On sait que shita et ushna, c'est le froid et le chaud, donc c'est le contraire. Donc là il dit shita amshu, à nouveau le même mot, ashmibihi, donc les rayons de lumière. Donc des rayons de lumière qui réchauffent et des rayons de lumière qui refroidissent. Donc le froid généré par des rayons de lumière qui refroidissent et la chaleur générée par des rayons de lumière qui réchauffent. Calme qu'ici on parle de poésie. On va comprendre ce que Vagbhata, il essaye de nous expliquer tout ça. Donc là il dit Samantat, de tous les côtés, complètement, totalement. Api, il signifie aussi Api, hein? Ahoratram. Vous n'arrivez pas à voir parce qu'il y a un sandhi ici au milieu. Après, je vous expliquer exactement ce que c'est ce sandhi. En fait, quand vous saurez tous les sandhis, j'arriverai à apprendre tous les mots et les ouvrir. Et là, on est en train de voir ça un peu rapidement, mais c'est juste pour que vous puissiez accompagner la lecture. Ahoratram sont deux mots qui sont contraires. Le jour et la nuit. Ratra, ratri, signifie nuit. Ahoratram signifie le jour et la nuit. De tous les côtés, de toutes les directions, complètement, pendant la nuit et pendant le jour. Agastya, ce mot, agastio, vient du mot Agastya, qui est une étoile spécifique. C'est une constellation spécifique. Cette constellation spécifique, elle monte au ciel dans le septième jour de la deuxième moitié du mois de Padre. C'est le mois de Padre, c'est le mois qui prend août et septembre. Il vient de finir là, à l'instant.
Donc c'est quand on fait les festivités du jour férié de Ganesh. C'est férié national et qui vient de passer. Et c'est le Ganesh Chaturthi. Mes amis, ils étaient en train de faire cette célébration. C'est la célébration de Ganesh, le fils de Shiva, donc ce dieu avec la tête de l'éléphant. Donc vous avez cette étoile qu'on appelle Canopus. Donc il y a une montée de Canopus. Donc quand vous avez la prédominance de Canopus, il est Nirvisham. Ni, c'est la négation du mot Vish, qui signifie poisson. Poison. Cette étoile, cette constellation, elle est connue dans la culture védique parce que quand elle monte au ciel, elle nettoie toutes les choses et elle nettoie tout le poison de toutes les choses. Donc on dit qu'on est en train d'être soumis tout le temps, jour et nuit, à l'illumination, à l'exposition de cette étoile, de cette constellation de Canopus, qui rentre dans le moment de prédominance du septième jour de la deuxième moitié du mois de Padre, entre août et septembre du calendrier hindou. Et cette étoile, elle a le pouvoir de faire Nirvisham. Elle ne génère pas du poison. Elle va purifier de tous les poisons. Donc après, il va répéter ce qui est redonner de l'affirmation à ce qu'il vient de dire. Shuchi signifie propre, pur. Nirmalam. Vous connaissez le mot mal. Quand on parle des excrétions de l'être humain, les selles, l'urine, la transpiration, ça c'est les mâles du corps. Donc nirmal, c'est la négation de ce mal. Donc si mal c'est une excrétion, nirmal signifie que c'est propre, on se nettoie de toutes les excrétions. Malajit. Malajit c'est la même chose, c'est qu'on est complètement nettoyé, propre de toutes les excrétions, c'est pur. Donc on a cette génération de cette pureté. Pourquoi? Parce qu'on est dans le Jalam, dans l'eau. Donc on commence maintenant à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Il explique le système de purification de l'eau pendant l'automne. C'est très intéressant. C'est des shlokas qui sont complètement tournés vers la purification de l'eau. Donc l'eau, quand elle est baignée jour et nuit par l'étoile Agastya, cette étoile qui libère le poison des choses, cette eau, elle devient pure, elle libre des excrétions, complètement libre de toutes les impuretés et de tous les problèmes. Et donc elle a un nom. Hamsodaka. Udaka. Udaka signifie eau. Et c'est l'eau de Hamsa. Hamsa, c'est l'oiseau blanc, le cygne. Donc c'est de l'eau de cygne. Donc le mot qu'on donne, c'est Hamsodaka. C'est cette eau de cygne. Elle est appelée eau de cygne parce qu'on sait que le cygne, il habite seulement les eaux qui sont très pures. Quand le cygne, il est dans une eau, c'est parce que cette eau, elle est pure. Une autre chose qu'on dit beaucoup dans la tradition védique, c'est que si on donne une eau avec du lait mélangé, par exemple, si on donne de l'eau mélangée à autre chose, comme par exemple l'eau mélangée au lait, au cygne, il est capable de boire que ce qu'il veut. Il est capable de savoir ce qui est pur et ce qui n'est pas pur. Donc il y a cette histoire du cygne et de la pureté. C'est un peu un symbole de pureté.
Donc, on a cette eau qui a été purifiée de jour et nuit par cette étoile. Elle a été baignée par la chaleur des rayons chauds, et aussi baignée par le froid des rayons froids de la lune. On parle du soleil de la lune parce qu'elle passe jour et nuit à être baignée. Vous mettez cette eau dans la rue, cette eau elle va prendre les rayons de la lune, les rayons du soleil, sous l'influence de cette constellation d'Agaste. Et donc cette eau qui était impure dans le contexte de la saison pluvieuse, cette eau elle va être purifiée par cette procédure de purification. Elle est nabishandi, donc elle abishandi, c'est un processus pendant lequel les shrotes, les canaux du corps, ils sont bloqués. À partir du moment que vous mangez quelque chose qui est abishandi, par exemple le yaourt, c'est très abishandi. C'est pour ça que dans l'Ashtanga Hridayam et la Charakasimita, c'est pas recommandé de prendre le yaourt le soir parce qu'il est très abishandi. Il va avoir une tendance à n'être pas bon pour la circulation du corps parce qu'il va fermer les shrotas, les canaux du corps. Nabishandi signifie que cette eau, elle ne génère pas ce problème. Navaruksham, elle n'est pas abishandi, mais elle n'est pas aveugle non plus. Ce qui est intéressant ici, c'est que normalement, une chose qui est nabishandi, une chose qui ouvre les pores, qui nettoie le corps de ses impuretés, elle provoque ce problème. Normalement, ça va créer de la sécheresse, en fait. Une chose qui va purifier, ouvrir les canaux, elle va donc créer de la sécheresse. Mais là, dans ce cas, on a cette eau qui va d'un côté ouvrir les canaux du corps, les shrotams, mais qui va aussi qui ne va pas créer de la sécheresse non plus. Normalement, une chose qui génère abishandi, elle ne génère pas de la sécheresse, et une chose qui est nabishandi, donc qui ne crée pas ces problèmes-là, qui va nettoyer, qui va ouvrir les shrotamsi, elle crée de la sécheresse. Donc c'est comme si c'est deux choses opposées. Mais ici, il dit que cette eau, qui est très spéciale, elle est abishandi et elle ne provoque pas le blocage des shrotamsi, mais elle ne ressèche pas non plus. Elle est complètement pure. Panadishu, les eaux dans ce type d'eau. Pana, c'est les boissons. Panadi, ce sont les boissons comme de l'eau, etc. Panadishu, donc le pluriel de ces eaux. Amruto upamam, c'est un nectar. Une chose qui est consumée par les dieux. Et cette eau, c'est un nectar des dieux. C'est un amruta upama. Upama, c'est le meilleur de tous. Le meilleur de tous les nectars. Donc, pour résumer ici, Vagbhat, il a dit que l'eau qui était polluée dans la saison pluvieuse, maintenant, elle passe par une procédure de purification. Donc on la met pour être baignée par les rayons chauds du soleil et aussi pour être baignée par les rayons froids de la lune. On l'expose à la Gastia, cette constellation qui prédomine dans cette période de l'année, de cette saison. Cette constellation, elle libère l'eau de toutes ces toxines, de tous ces poisons. Elle les laisse libre de toxines, libre d'excrétions.
et elle devient une eau de cygne. Elle ne provoque pas le blocage des Shrotamsi ni la sécheresse. Elle est très neutre pour le corps. Et ce type de boisson, les boissons faites à partir de cette eau, les boissons qui ont cette eau comme base, créent le plus grand nectar de tous les nectars. Donc ça, c'était le shloka que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On va faire notre minute de sanskrit aujourd'hui. A palavra Ruksham. Ruksham, c'est le mot. C'est très simple. Ça signifie sec. Eau sécheresse. Donc, c'est une des propriétés principales de Vata Dosha. Vous vous rappelez, dans les, quand on a étudié les gunas de Vata, on a appris que Ruksha, c'est le premier guna de Vata Dosha. Donc cette sécheresse, elle est très caractéristique de Vata. Donc vous le mettez ici à cause du Ru et du Ksha. Donc je vais prendre mon Devanagari. Il est un Ra Holland, misturado com un U. Misturado com K Holland, com Sh Holland, misturado com A curto, misturado com M Holland. Então, isso aqui seria. Desculpa, gente, entrou uma galera aqui, então. Désolé, j'ai dû arrêter parce qu'il y a eu des gens qui sont arrivés. Donc, R Holland, U Holland, K Holland, Sh Holland, A curto, M Holland, Ruksham. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous devez comprendre que le R Holland mélangé avec le U, il devient Ru. Donc vous voyez comme le Ru, il arrive en dessous du mot. Là par exemple, et le mot, il rentre, le Ou, il rentre en bas. Là aussi dans le Chou, le Ou, il arrive en bas. Mais dans le Ru, il rentre pas en bas, il rentre au milieu. Si j'ai un R Holland et un U long, il se transforme avec ce petit truc en dessous. Donc ça ressemble beaucoup. Le roux et le roux avec le U long. Là, le premier c'est le U court et le deuxième c'est le U long. Quand je fais le M avec le U long, et le ch avec le ou long, c'est un genre de virgule qui est tourné vers le haut, dans le court, et dans le long, c'est comme une virgule tournée vers le bas. Le chou court, l'ouverture est tournée vers le haut, et le chou court, et c'est tourné vers le bas. Et dans le roux, il se passe pas ça. L'ouverture qu'il a, c'est un peu tourné vers le bas. Et dans le roux long, il fait une tournée un peu plus longue, en fait. Un peu vers le haut aussi. Ça peut vous confondre. Si vous pensez que le haut, il vient toujours en bas, comme il se passe dans la majorité des consonantes, peut-être quand vous regardez ça, le ruksham, vous êtes un peu confondu avec ça. Et on va profiter pour parler du ksh. Parce que le ksh, ce que Holland, avec un sh, il va se transformer en ksh. Donc l'écriture est vraiment folle.
dans cet outil que je suis en train d'utiliser ici, je n'arrive pas à dessiner. Si j'arrivais à dessiner, peut-être que je dois transformer ça avec le Pages ou quelque chose comme ça. Si je pouvais dessiner, j'arrivais à vous montrer comment on écrit ce que. J'arrive pas à vous montrer. Il fait un tour et après il redescend et refait une boucle. À un moment donné, je vais trouver un software où je peux faire l'écriture. Et comme ça, je vous montrerai. Pour l'instant, ce que je peux faire, c'est ça. Donc ça, c'était notre minute de sanskrit d'aujourd'hui. Ça, c'était les shlokas que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc, dans notre prochain rencontre de mercredi, on va continuer avec la fin du chapitre 3, le chapitre de Ruta Chaledi. Je profite ici pour remercier toutes les personnes qui collaborent avec nous, qui participent dans l'Apoyas. On se voit dans la prochaine vidéo, le prochain mercredi. Merci.